Ici, je vais vous montrer rapidement et sommairement comment réaliser la page titre avec Word sans utiliser les retours à la ligne. Donc, pour les besoins de la cause, je suis venue ici activer le marquage de tous les éléments qui sont sur la page. Ça va vous aider à bien comprendre. Donc, il y a plusieurs concepts clés dans la réalisation d'une page titre qui va se placer toute seule. Donc, première chose, en fait, je vais venir insérer un saut de page. Page suivante. Donc, en fait, avec un saut de section, pardon, page suivante ici. Et ça va me permettre, en fait, d'avoir l'ensemble de ma page qui va être bien distribuée sans avoir une influence sur le reste de mon document. Donc, je vais venir isoler comme ça ma page titre qui est ici, sur laquelle je vais venir travailler. Ensuite, je vais venir séparer mes sections. Oups, pardon. Donc, l'ensemble de ma page titre va être centré. Donc, je vais tout de suite venir sélectionner le centré ici. Et le concept clé, c'est qu'on va travailler par section. Donc, toutes les sections qui doivent être ensemble, je vais les lier ensemble avec des retours à la ligne qui sont différents, qui sont en fait des retours à la ligne dans la même section. Donc, pour faire ça, je vais taper mon premier élément, ça va être mon nom. Et là, à la place de faire un retour à la ligne régulier, comme vous voyez ici, là, j'ai juste appuyé sur Enter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un majuscule Enter. Et là, j'ai un retour à la ligne qui est comme une petite marque ici. Donc, la date, comme ça. Et là, tous les éléments qui vont être liés ensemble par ce retour à la ligne-là de majuscule Enter vont être liés ensemble. Là, je vais changer de sous-section. Je vais ajouter un retour à la ligne régulier, donc un Enter régulier. Nom de l'école, cours ici et Montréal. Donc, dans la section qui est ici, le nom et la date vont être liés ensemble et dans la section qui est là, le nom de l'école, le cours et Montréal vont être liés ensemble. Je vais faire une dernière section avec un Enter ici, titre du travail. Retour à la ligne, bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Cymatique. Et retour à la ligne, une dernière fois, qu'est-ce que ça pourrait être? Code postal. Bon, ça n'a vraiment pas rapport. Postal. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer tout ça? On va aller ici dans Mise en page. Dans la section Mise en page, ici, on va aller dans la mise en page supplémentaire qui est avec ce petit onglet-là. Et je vais venir choisir dans Mise en page l'alignement vertical et c'est là où la magie s'opère, justifié. OK? Et là, tout va se placer automatiquement dans ma page titre en fonction des blocs que j'ai créés. Donc, pour vous montrer, si je crée un nouveau bloc en dessous de date, ma page titre va s'aligner automatiquement toute seule. Donc, je pourrais dire ici chien. Et si je fais juste des retours à la ligne réguliers, je vais avoir en fait des sections ou des grands paragraphes qui sont collés ensemble. À l'inverse, si je fais un retour à la ligne avec le majuscule, donc majuscule Enter, ça va lier ensemble mes blocs de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on va faire notre page titre. En ajoutant ici un saut de section page suivante, le reste de mon document, ça va être un document qui va être régulier comme ça, dans lequel je vais pouvoir écrire mes paragraphes, faire mes tables des matières, par exemple, et compagnie.